Bonsoir, Vipère. Oui. Bon arrivée. Oui, ça va. Ah, ça va, Vipère. Merci beaucoup, oui, ça va. Ah, vraiment, nous étions vraiment inquiétés. Parce que depuis qu'on a appris que vous êtes parti en Ukraine, là, vraiment, on n'a pas de nouvelles. Vraiment, vraiment, c'est, ça nous a affecté. Mm-hmm. Dieu merci, vous êtes de retour. Là, nous sommes venus vous dire, on est arrivé. On se met à voir les nouvelles de là-bas. Parce que ce qu'on a entendu là, vraiment, vraiment, on veut savoir ce qui s'est réellement passé. Puisque nous, on n'était pas sur le terrain. Voilà, c'est vous qui étiez sur le terrain. Donc, on veut vraiment comprendre ce qui s'est vraiment passé là-bas. Bon, vraiment, je suis content, hein. Vous au moins, vous soyez appris que j'ai venu hier, j'ai venu à 24 années hier. Et puis en même temps aujourd'hui, vous soyez venu me servir déjà ce bon. Dans cette quartier-là, tout le monde m'en connaît. Si je suis partout combattu, et puis j'ai revenu normalement. Les autres vont venir me servir. Mais c'est vous toi. En tout cas, je sais ça. Je vois aujourd'hui que c'est vous qui me l'aimez et c'est vous qui me l'aimez. Bon, je vais parler, hein, c'est ce qui a passé là-bas. Bon, normalement. Je suis soldat caporal. Numéro matricule, 5-10-20-10, Jolo. 30-4. Génération 1. Voilà. Ça m'a tourné. Mais c'est pas toi. Toi, militaire. Tu dois t'apprisater. Voilà. Donc, c'est mon présentation qui est là. J'étais parti là-bas. Mais pourquoi j'ai parti là-bas? C'est ça. J'ai parti à l'Ukraine parce que Zelensky, avant qu'il veuille devenir président de l'Ukraine, c'est d'abord mon poète. Ah. Il est un comédien. Hein. Alors, vous n'avez pas oublié de ça. Donc, dans la vie, c'est deux mecs, ça se lave. Donc, moi, j'ai parti faire le soutenance de mon ami Zelensky. Mais ça que j'ai vu là-bas, ça que moi j'ai vu et puis j'ai vu. Non, non, c'est incroyable. C'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Donc, vraiment, j'ai venu, c'est Dieu qu'on va remercier. D'accord. Les gars, donc, tu prends ça là-bas, c'est quoi? C'est pour te réchauffer. Là-bas, il fait froid. Hein? T'es doux. Mais une fois deux, désolé pour tuer l'homme. Ça, c'est votre cas qui est là comme ça. Pourquoi j'ai apporté tout ça? Ça coûte de fraîcheur, froid la même. Je dis, ça me laisse, il y a froid d'air. Il y a fraîcheur, il y a froid d'air, les dés, à sa concomitance. Non, ça va tuer l'homme. Ouais, ouais.